Donc merci pour l'invitation. Donc j'ai essayé de finalement parler de l'interdisciplinarité. Donc je parlais avec moi d'expérience du CESCO, donc Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Donc, je parle aussi de mon expérience en tant qu'expert sur les biotechnologies, parce que finalement il y a aussi des enjeux interdisciplinaires qui ne sont pas inintéressants. Voilà. Donc le contexte général, donc effectivement, bon, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, hein, sur le fait que les questions environnementales d'anthropocène, effectivement, c'est une question qui est interdisciplinaire, et qu'elle chevauche surtout le grand partage sur la nature, sur le humaine et social. Donc ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut franchir 3-4 siècles effectivement de construction, de séparation disciplinaire, ce qui est pas mal, c'est quand même 3-4 siècles. Il y a une autre partie aussi peut-être un peu plus subtile. Notamment donc parce que le muséum en fait est pas mal sollicité sur les préconisations en termes de politique publique, mais ce qui est clair, c'est que les préconisations des politiques publiques, eh bien, selon qu'on en soit seulement disciplinaire ou interdisciplinaire, très clairement, elles ne sont pas les mêmes. Donc là, il y a un enjeu simplement en termes de recherche-action qui est très important, et là, l'éclairage interdisciplinaire est tout à fait fondamental. Voilà. Alors pour revenir au CESCO, donc pour reprendre les termes d'Isabelle, très clairement, on a fait de l'interdisciplinarité, je dirais, pragmatique. Pragmatique, pourquoi? Bah parce que, en fait, elle s'est imposée à nous. Alors, le CESCO, au passage, c'est un peu comparable au l'ECA, finalement, aussi bien en CAC en termes d'ancienneté, hein, qui est fondé en 2002, à peu près 25 anciens chercheurs, en fait, qui arrivent de corriger peut-être. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fondé ce laboratoire en 2002, en fait, on était plutôt un ensemble de biologie des populations, on s'intéressait aux espèces menacées, donc finalement, le sujet du laboratoire était assez clair, hein, donc effectivement, on regarde des espèces menacées, en plus ça tombait bien, parce que les politiques publiques étaient très axées autour de la préservation des espèces menacées, donc finalement on était de la recherche-action qui était assez simple et assez directe. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a repris, il y avait le CERVPO qui s'occupait de la cage des oiseaux, il y avait pas mal de données qui étaient accumulées, et finalement, on a commencé finalement à décliner vraiment cet indicateur d'oiseaux communs, dont je parlerai tout de suite après. Et en fait, finalement, ça a amené à s'intéresser à une biodiversité qui n'était pas des espèces menacées, mais des espèces quelques communes, mais qui étaient en déclin. Évidemment, lorsque vous intéressez aux oiseaux communs, eh bien, les enjeux sociaux ne sont pas du tout du même ordre autour des espèces menacées, pas de politique publique, hein, qui n'en a toujours pas, autour de la préservation des oiseaux communs, donc du coup, la recherche-action n'est pas du tout du même ordre. Et puis en termes biologiques, évidemment, travailler sur l'espèce, sur des restreintes par rapport à des oiseaux qui notamment sont très présents dans le domaine de l'agriculture, sont très exposés à l'agriculture industrielle, forcément, en termes biologiques, en termes écologiques, les questions ne sont pas du tout du même ordre. Donc très rapidement, on s'est retrouvé complètement déporté. Hein, le sujet scientifique qui s'imposait, parce que ça marchait bien, en l'occurrence, en termes de publication, eh bien, ne correspondait pas du tout à l'ambition initiale. Et donc effectivement, donc en termes de valeur, très, très clairement, notamment lorsqu'on s'intéresse à la gestion industrielle, forcément les représentations, les valeurs ne sont plus du tout du même ordre, c'est-à-dire que parler simplement de la valeur intrinsèque de la biodiversité, par exemple, ça ne va pas être suffisant, il va falloir s'intéresser finalement à quels sont les projets sociaux de l'agriculture, les projets anthropologiques. Voilà. L'autre raison pour laquelle effectivement on est rentré dans l'interdisciplinarité, c'est que ces données d'oiseaux, bagages, du suivi des oiseaux communs, eh bien, se fait par les sciences participatives. Sciences participatives, c'est-à-dire avec des réseaux d'observateurs, de bénévoles, et du coup, eh bien, on se retrouve finalement dans une relation science-société qui est complètement différente. Complètement différente, et ce qui était très instructif, c'est qu'en fait, ces données en fait, intéressaient beaucoup le ministère de l'écologie, ne serait-ce que parce qu'elles étaient notamment récoltées par des ONG qui ont des rapports privilégiés avec le ministère de l'écologie, et que par contre, notre tutelle qui pour nous était naturelle, qui était le CNRS, on regardait ça avec pas mal de mépris, parce que ces données récoltées par des écoles, évidemment, scientifiquement, qu'est-ce que ça vaut? Voilà. Donc on s'est retrouvé en fait pris en porte-à-faux à nouveau, parce que finalement, on avait un interlocuteur beaucoup plus, c'était un peu inattendu finalement, que ce soit avec le ministère de l'écologie, ça se passe beaucoup mieux qu'avec le CNRS. Le problème de la neutralité scientifique aussi s'est posé d'une manière assez immédiate, c'est-à-dire que ce qui pour nous était assez évident, c'était que la neutralité scientifique, c'était travailler avec le CNRS, hein. On s'apercevait que bah, finalement, les choses étaient peut-être un peu plus compliquées que cela. Et puis effectivement, il y a un indicateur de diversité, et les indicateurs ont des rôles politiques et économiques importants, donc on sait vraiment des prix aussi dans ce genre de questions, savoir effectivement quelles étaient les implications et quels étaient vraiment les enjeux derrière ces indicateurs. Voilà, donc grosso modo, le conseil est lancé effectivement dans l'interdisciplinarité, donc là, je laisserai à Caroline en parler un peu plus au sein du laboratoire, donc il y a des économistes, des politistes, des psychologues de l'environnement, je reviendrai d'ailleurs sur
sur cet aspect-là. Et ce que j'aimerais surtout, c'est élargir un peu plus maintenant sur l'interdisciplinarité. Alors pourquoi ça marche et surtout quels sont les freins actuels. Enfin, peut-être que je les vois, de mon expérience, alors effectivement en tant que directeur de laboratoire, pendant un an de temps, en tant qu'expert et puis aussi en tant qu'enseignant. Enseignant, notamment enseignant avec d'une part des matheux, notamment l'école polytechnique, et d'autre part avec des gens des sciences humaines et sociales, qui, on voit bien, en fait, on ne présente pas la même université de la même manière, et à chaque fois, en fait, il y a, comment dire, l'interface disciplinaire qui est nécessaire à développer d'une autre, de différentes manières. Voilà. Et par rapport à ça, ce qui me paraît en fait fondamental, c'est finalement de comprendre, mais peut-être aussi de questionner la logique des disciplines. Parce que finalement, les disciplines sont des constructions sociales. Des constructions sociales qui sont finalement, qui ont un côté un peu artificiel. Un peu artificiel, donc j'aimerais venir sur ce côté artificiel. Mais pour commencer, questionner simplement l'écologie. Qu'est-ce que l'écologie? J'ai remarqué tout à l'heure que quelqu'un disait, voilà, il y a un laboratoire de biologie de population qui a fusionné avec un laboratoire qui faisait plus de l'écologie. Ce qui pour moi m'a interpellé, parce qu'effectivement, je viens de la biologie des populations, qui pour moi fait partie complètement de l'écologie. Donc quelque part, on voit bien que l'écologie, déjà au sein de l'écologie, il y a des questionnements et en fait des différences en fait intradisciplinaires qui sont extrêmement profondes. Extrêmement profondes. Alors, vous voyez, vous avez par exemple la biologie des populations. Comme ça, la biologie des populations, vous voyez, ça paraît assez simple, hein, on travaille sur les populations. Donc ça, la biologie des populations, vous avez ceux qui comptent les individus, donc la dynamique des populations, puis il y a ceux qui s'intéressent à la variabilité génétique, la génétique des populations. Et en fait, vous avez des techniques et des épistémiques qui sont complètement différentes. Et là, vous avez à nouveau un partage assez profond. Il suffit de discuter 5 minutes avec un biologiste de population, vous reconnaîtrez assez facilement si c'est un dynamicien ou un généticien. Bon, de la même manière, vous avez des collèges de communauté qui travaillent à un autre niveau d'organisation biologique. Et à nouveau, entre communauté et population, c'est pas du tout le même niveau d'organisation. Alors le CESCO, en fait, est plutôt d'ailleurs axé autour de la dynamique des populations et d'écologie des communautés, ce qui fait que, en fait, ceux qui travaillent au sein de l'écologie du paysage ou de la génétique des populations ont parfois du mal à trouver leur place au sein du laboratoire parce que, quelque part, ils sont un peu marginaux par rapport à ce cœur d'écologie qui a été un cœur à soulever. En tant que directeur de laboratoire, je veux dire que j'ai essayé, effectivement, de renforcer systématiquement la dynamique des populations et l'écologie des communautés. Parce que ça me semblait l'ancrage au sein de l'écologie qui paraissait le plus porteur au sein du laboratoire et que le dialogue entre ces différents champs de l'écologie, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Pour être un peu provocateur, en tant que biologiste de population, j'ai l'impression de beaucoup mieux comprendre les économistes, donc ils parlent de compétition, de sélection, finalement sur des concepts qui sont très proches de la biologie de population, qui utilisent des modèles qui sont un peu du même ordre, notamment la théorie de jeu, et par contre, j'ai beaucoup de mal à parler d'écologie de paysage. Les concepts de l'écologie du paysage, je veux dire, reste encore un peu étranger. Ouais. Donc tout ça pour dire que les frontières disciplinaires, c'est quelque chose qui peut être assez artificiel. Alors toujours pour questionner ces frontières disciplinaires, alors ensuite comment on fait? Donc l'idée, je pense effectivement, c'est d'arriver à comprendre la logique et de cartographier les disciplines. Alors à partir de là, la notion de système, de socio-écosystème, elle me paraît assez intéressante. Dans l'Anthropocène, on voit bien qu'il y a l'idée effectivement de mieux gérer finalement un socio-écosystème ou des socio-écosystèmes à l'échelle de la planète. Alors comment on peut faire? Il y a cette présentation de Neil Ostrom qui me paraît, bon, qui est peut-être un peu bateau, mais qui en tout cas en préambule peut être extrêmement intéressante, hein, qui décompose effectivement dans quelle c'est sous la créance des biens communs et se dit que lorsqu'il y a un problème de gouvernance des biens communs, eh bien, il s'agit de comprendre où est le problème dans le système. Et ce qu'elle propose, eh bien, c'est de considérer qu'en fait ce système il se décompose entre 4 sous-systèmes. Donc on retrouve assez bien des disciplines qui sont différentes, mais pas complètement, c'est-à-dire que très clairement l'écologie a à voir avec le système de gouvernance, hein, il y a effectivement des interactions entre ces différentes boîtes. La critique qu'on pourrait faire aussi à cette présentation d'Ostrom, c'est que le système socio-anthropologique, c'est une boîte qui est extrêmement vaste, hein, très vaste, beaucoup plus vaste que les autres boîtes. Les représentations, les techniques, les technologies, les valeurs, c'est un ensemble qui est très grand, qui est très important. Alors, une autre manière d'avancer, beaucoup moins formalisée, c'est aussi de regarder en fait quel type d'interaction il existe finalement dans un socio-écosystème. Voilà. Donc là, il y a 5 types d'interactions. Donc là, c'est assez classique, mais la chose tout de suite, j'essaie de vous donner le message de la diapositive, c'est qu'on pourrait penser que les disciplines en fait se rangent assez gentiment dans une de ces différentes lignes, mais je pense que ça n'est pas du tout le cas. Donc c'est ça, c'est 5 types, grosso modo, où vous avez des interactions physico-chimiques, hein, les moyens
de l'énergie, les interactions biologiques avec la sélection naturelle, quelque chose de fondamentalement différent. Après, vous avez les interactions sociales, alors les sens, notamment effectivement les sciences sociales, qui finalement ont des épistémiques qui ne sont pas si différentes que ça des sciences de la nature, parce qu'elles travaillent sur des faits institutionnels, c'est un peu différent des faits biophysiques, mais finalement pas si différent. Et puis ensuite, vous avez effectivement le saut vers les interactions qui sont de type mental. Donc j'aurais dû parler plutôt de représentation, parce que c'est le terme que je vais utiliser par la suite, donc effectivement sur les représentations. Donc ça, c'est un type d'interaction qui est extrêmement important, notre représentation du monde, et là évidemment, de l'impact très important sur la manière dont on interagit avec les socio-écosystèmes. Et puis il y a des interactions qui sont dites spéculaires, c'est-à-dire les interactions entre des représentations qui sont différentes. Et le point qui me paraît fondamental, c'est qu'en fait, lorsqu'on met dans le sens de la nature, en fait, on est très présent dans le domaine des représentations. C'est-à-dire que quand on est géologue, quand on est écologue ou physicien, on a une certaine représentation du monde et que l'on défend. Et ces représentations du monde qui sont différentes entre les disciplines, en fait, elles permettent d'éclairer assez bien, il me semble, un certain nombre de controverses environnementales, de mieux comprendre ces controverses et d'avancer, de mieux se positionner finalement par rapport à ces controverses. Voilà. Alors par rapport à ça, effectivement, donc, où se situent les différentes disciplines, par rapport à ce type d'interaction, quelle est l'importance? Donc effectivement, donc, chaque discipline a des ambitions en termes de représentation, et l'autre hypothèse que j'aimerais explorer aussi, c'est que les représentations, c'est une force d'interaction qui est extrêmement importante, et que si on veut faire de l'interdisciplinarité, il me semble qu'il est important de travailler beaucoup plus effectivement sur ces représentations. Alors, pour commencer à prendre un exemple assez ponctuel que je ne développerai pas plus, sur les biotechnologies, donc siégeant au Conseil scientifique des biotechnologies, ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'avoir des avis qui soient consensuels et qui satisfassent l'ensemble du monde. Et pourquoi? Eh bien parce qu'entre écologues, biologistes et biomoléculaires, finalement, on a des représentations du monde qui sont fondamentalement différentes. Donc la hiérarchie des arguments ne sont pas du tout du même ordre, et à partir de là, effectivement, il est très difficile d'avoir un consensus scientifique, parce que tout simplement, on ne voit pas du tout les risques et les opportunités de la même manière. Voilà. Un autre sujet sur lequel le thème des représentations est extrêmement important et intéressant, c'est sans doute le sujet des services écosystémiques. Alors, le sujet des services écosystémiques, comme vous savez sans doute dans ça, c'est un sujet qui a été très controversé, et qui en fait est sans doute en fait la controverse. Mon impression actuellement, c'est que on la comprendra d'autant mieux que si on s'aperçoit qu'en fait c'est un problème, c'est pas forcément un problème de valeur, c'est un problème plutôt de représentation. Un problème de représentation que l'on voit assez bien en fait, qui dès le début d'ailleurs est bien déroulé, hein, avec un ouvrage fondamental qui est Nature Services de 1997, où très clairement, en fait, les écologues qui écrivent cet ouvrage expliquent bien leur ambition. Leur ambition, c'est que finalement, l'écologie est très peu présente dans la représentation du monde, notamment des scientifiques, et qu'à travers la notion de service écosystémique, eh bien, il s'agit de faire rentrer l'écologie scientifique dans les représentations du monde, de les mettre au cœur des représentations du monde. Voilà. Alors après, ce qui obscurcit considérablement les débats, c'est qu'après, vous avez le Millennium Ecosystem Assessment, qui arrive 8 ans après, et qui en fait s'occupe plutôt d'optimiser la gestion de la planète, donc il place plutôt le concept à un niveau social, au niveau des forces sociales, donc d'organisation sociale. Et là, on n'est plus du tout sur le même type d'interaction, mais plus sur le thème des représentations, mais sur le thème social, qui entraîne un certain nombre d'incompréhensions. Incompréhension parce que, eh bien, lorsqu'on va intervenir sur le domaine des représentations, c'est pas forcément, les implications en termes sociales ne sont pas forcément évidentes. Elles se déclinent notamment en fonction de la diversité des représentations. On le voit très bien avec les paiements pour services écosystémiques, qui est une manière sans doute assez naïve de la part de ceux qui veulent intervenir dans les représentations du monde, de faire entrer l'écologie, de se dire, ben voilà, du coup, on va essayer d'être opérationnel en proposant effectivement des mesures ponctuelles, mais ces mesures ponctuelles, eh bien, en fait, elles chevauchaient un autre type de représentation du monde et qui faisait qu'il y avait une espèce de discordance qui n'était pas forcément bien gérée et bien maîtrisée par les proposants. Voilà. Et donc, finalement, oui, donc je suis peut-être allé. Pour terminer, finalement, sur ces représentations du monde, je crois que, effectivement, c'est une manière de reprendre cette interdisciplinarité. Et de ce point de vue-là, donc, je reprendrai finalement la proposition d'Anouk de Witt. Donc, Anouk de Witt, en fait, propose effectivement de décomposer les représentations du monde en considérant qu'il y a finalement cinq dimensions. Ces cinq dimensions des représentations du monde,
Eh bien, ce sont d'une part des dimensions, donc une dimension ontologique, hein, c'est-à-dire quelle est la nature et la nature, le cosmos, de l'esprit, les représentations mentales. Ensuite, quelle est la dimension épistémologique? La dimension épistémologique, évidemment, en tant qu'université, on sait qu'elle est extrêmement importante, c'est-à-dire que, évidemment, les concepts et les notions qu'on développe, nous sommes aussi pris, un peu, j'allais dire, prisonniers, finalement, des techniques que l'on utilise, et ces techniques, évidemment, elles sont très importantes sur les possibilités que l'on a dans nos différentes disciplines. Ensuite, il y a un enjeu, une dimension axiologique. Alors, la dimension axiologique, c'est pas seulement les valeurs, enfin, c'est pas juste les valeurs de l'université, mais c'est les valeurs aussi. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Donc, effectivement, quels sont les enjeux de valeurs autour des vies humaines? Les enjeux anthropologiques, où se situent les humains, effectivement? Quelle est la nature de la vie humaine? Que sont devenir? Et finalement, les enjeux en termes de vision sociétale. De vision sociétale, donc l'idée, c'est que, quelque part, donc, chacune des disciplines intervient sur une ou plusieurs de ces dimensions. Que ces dimensions ont des relations, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, pour prendre un exemple très, très, très ponctuel, lorsque vous développez une nouvelle technique, par exemple la métagénomique, qui à partir de là, vous développez des voies d'épistémologie, notamment justement le rôle du micro-organisme, ne serait-ce qu'en agriculture ou dans la santé humaine, eh bien, vous redéployez aussi dans les ontologies. C'est-à-dire que finalement, vous changez aussi un certain nombre, ça a des répercussions sur d'autres domaines. C'est-à-dire que c'est pas simplement, alors on peut dire que l'ontologie surplombe l'épistémologie, l'axiologie, etc. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est de la même manière, lorsque vous avez des réorganisations sociales, eh bien ces réorganisations sociales, elles ont aussi des enjeux dans les autres dimensions. Et c'est peut-être d'ailleurs, si je reviens à mon exemple des services écosystémiques, une des choses qui a été mal appréciée sans doute sur les paiements pour services écosystémiques, c'est que derrière cette mesure-là, il s'agissait aussi de faire rentrer beaucoup plus l'écologie et la biodiversité au sein du jeu économique. Et à partir de là, à partir de mesures qui semblaient assez ponctuelles sur le plan social, de remonter aussi dans les anthologies. Voilà. Donc des interactions qui ne sont pas forcément triviales entre ces différents niveaux, qui doivent permettre de situer les contributions de chaque discipline, à chacune des disciplines, évidemment. Alors, je vais dire un peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire très clairement, les sciences humaines et sociales, très clairement, interviennent beaucoup plus sur la représentation que les sciences naturelles. Cela étant, chacune des disciplines intervient sur ces cinq dimensions, et puis, au-delà des contributions de chaque discipline, il y a les thèmes aussi de chaque discipline, et chacun des thèmes peut aussi avoir des éclairages sur une de ces dimensions. Et je pense que, pour effectivement éviter les incompréhensions dans le dialogue interdisciplinaire, ce qui me semble important, effectivement, je l'ai déjà dit, c'est que de bien savoir dans quelle dimension on se place. Et puis finalement, pour rajouter un niveau de complexité, c'est que derrière ça, l'enjeu c'est aussi des interactions spéculaires, hein, c'est-à-dire entre des représentations du monde qui sont différentes. Donc là, ce qui manque encore dans cette considération, sur cette diapositive, c'est finalement comment la diversité, quelle est la diversité des représentations du monde, comment chacun d'entre nous se veut, ou chacun de chaque discipline, se place par rapport à ça. Alors par exemple, la proposition de Camille de Witt, elle, c'est de reconnaître finalement quatre types de représentations du monde. Et là, les traditionnels, les modernes, les postmodernes, et puis finalement les intégratifs. Alors les intégratifs, grosso modo, ça serait ceux qui sont dans la recherche et dans l'action, dans le domaine des sciences de l'environnement. Donc finalement, on serait plutôt dans cette nouvelle représentation des intégratifs, qui se distingue du coup des postmodernes. Alors, je vais prendre un risque, mais notamment un des problèmes des difficultés interdisciplinaires, nous semble-t-il, c'est que ce que je pressens, c'est que la majorité des collègues des sciences de la nature sont plutôt dans une vision moderne, alors que les collègues des sciences humaines et sociales sont plutôt dans la vision postmoderne. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir des représentations du monde qui sont différentes génère à nouveau un certain nombre d'incompréhensions. Il va générer sans doute encore d'autres incompréhensions parce qu'évidemment, ces différentes représentations du monde, eh bien, elles ne sont pas statiques. Ce que propose de Witt, notamment avec cette nouvelle représentation en forme intégrative, évidemment, va déstabiliser, c'est-à-dire que quelque part, ça va remettre aussi en cause les frontières qui peuvent exister actuellement entre les modernes et les post-modernes, avec sans doute des recompositions des modernes et des post-modernes qui nous reviennent vers la représentation intégrative. Voilà. Donc, j'espère que ce n'est pas trop perdu pour ce discours sur l'interdisciplinarité, je vais en rester là.